Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du triomphe visionnaire dans Destiny 2, le triomphe qui vous demande de récolter les 8 visions du voyageur réparties un petit peu partout dans le cœur pâle. Avant toute chose, sachez que ces 8 effigies vous seront utiles pour obtenir le fusil exotique automatique Kvostov actuellement disponible dans le jeu. Allez, c'est parti, on commence directement avec l'emplacement de la première vision. Alors sachez qu'il s'agit de la vision la plus contraignante et vous le verrez, les 7 suivantes seront beaucoup plus simples à récupérer. Pour l'obtenir, vous allez devoir réaliser la quête Seul dans le noir, quête obtenable chez Mika, le PNJ de la cité perdue au cœur pâle. Première précision, pour obtenir la quête Seul dans le noir, vous devrez au préalable avoir réalisé l'intégralité de la campagne de Final Shape ainsi que les quêtes de convalescence qui vous donneront donc accès à Mika. C'est une quête en 7 étapes dans laquelle on vous demandera systématiquement de retrouver un spectre perdu dans une zone donnée, d'ouvrir des coffres en renversement et pour finir de suivre un oiseau qui va vous mener à une mission nommée Kist. En définitive, cette quête vous permettra notamment d'obtenir un exemplaire à bordure rouge d'une arme légendaire de la nouvelle destination. Elle est répétable d'ailleurs et réalisable autant de fois qu'il n'existe d'armes légendaires de saison dans la destination. A noter qu'il existe 6 missions de Kist différentes et que celle qui nous intéresse ici est la mission qui se nomme Lumière Ardente, dans laquelle il faut éliminer des prêtresses et des cristaux pour invoquer le boss d'une grotte enflammée. Je vous laisse actuellement le parcours de la partie de la mission qui mène au spectre. Enfin, concernant les 7 autres visions, elles sont toutes accessibles en patrouille et mieux que des mots, je vous laisse directement le gameplay pour pouvoir y accéder plus facilement. N'oubliez pas le petit like si cette vidéo vous est utile et à très bientôt pour d'autres infos. Ciao ciao !